C'est l'heure de l'entraînement pour Clément. 21 ans, champion de France d'haltérophilie en 2022 des moins de 55 kilos. Et sa sœur Anaïs, 18 ans, sacrée la même année, vice-championne de France. Il n'y a pas de secret pour en arriver là. Eh ben, faut s'entraîner. Je m'attendais à voir un gros bonhomme tout costaud plein de muscles. Non, non. Alors si, t'as des muscles quand même. Oui. Mais effectivement, t'es quand même un petit modèle. Ouais. Et tu soulèves tout ça. Ouais. Là, il y a 80 kilos sur la barre. Bon, explique-moi. Moi, j'y connais rien du tout dans ton sport. En quoi ça consiste? Déjà, il y a deux mouvements. D'accord. L'haltérophilie, il y a l'arraché et l'épaulé jeté. Ça, c'était quoi? L'épaulé jeté. Ok. Et la deuxième technique, c'est quoi? L'arraché. L'arraché. Ouais. Donc là, t'enlèves un peu des poids. Ouais. Alors, l'arraché. On fixe tout son dos. C'est comme ça. Tu pratiques ça depuis combien de temps, toi? Moi, ça fait 7 ans que je suis au club. Et pourquoi t'as choisi ce sport? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'ai connu l'haltérophilie grâce à l'école. Ah ouais? Donc on avait fait un petit peu en EPS. Ouais. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas m'inscrire dans un club. Puis je prends une licence. Et j'ai fait Championnat de France. Et j'ai commencé à remporter des médailles. C'est beaucoup d'entraînement pour toi pour arriver ouais. à ce niveau? Ouais, ouais. Bah moi je m'entraîne 3 fois par semaine. D'accord. Et si on veut un plus gros niveau, bah c'est tous les jours quoi. C'est quoi le prochain objectif? Objectif là, ça serait bien le mois prochain, se qualifier pour le Grand Prix fédéral. Okay.